Ce roman, Mathusalem sur le fil, a pour trame une course à pied. Et la particularité est que cette course à pied oppose deux nonagénaires qui ont les plus grandes difficultés à se mouvoir et pour qui cette course qui fait 100 ou 200 mètres va prendre des allures de marathon. Ces deux vieux messieurs doivent vider des querelles très anciennes et cette compétition revêt pour eux une importance capitale. Alors ça, c'est pour la trame. Et l'idée du roman, la structure du roman, veut que chaque fois qu'ils passent devant une maison de l'impasse où ils habitent, le roman raconte à l'aller la moitié d'une nouvelle, si l'on veut, et au retour, l'autre moitié. Ainsi, petit à petit, se recomposent six histoires diverses. Le point commun entre ces histoires étant que toutes tournent autour de l'image. Et cette image, dans les années 30, c'est une coupure de presse, puis les premiers temps de la télévision, puis même l'imagerie médicale, et bien entendu aujourd'hui Internet et ses dérives. Et puis, en dehors de ce thème commun, il s'agit pour le roman de raconter la lutte inégale peut-être aujourd'hui entre l'image et l'écriture. Et ce livre se voudrait un éloge de l'écriture et une affirmation des pouvoirs de l'écriture face à l'image omniprésente. Alors le thème se prête évidemment à l'humour noir, un peu, peut-être un peu aussi autour de certaines des histoires qui sont racontées à des formes d'émotion. Et voilà, l'unité est tirée de ce thème de l'image, des rapports de l'image et de la littérature et de l'écriture. Et à l'intérieur de ce thème, j'ai privilégié la variété, puisqu'on va du dramatique au cocasse.